chronique palestinienne. Récit de Pierre Merejkovski, publié aux éditions de l'Obsidienne. Tu vas en Roumanie. Tu prends la parole sur la terrasse du Palais du Peuple. Tu t'imagines critiquer les Ceaușescu et en fait, tu es un singe en cage. Pourquoi t'as pas filmé la misère des jeunes roumaines qui deviennent les putains des vendeurs de téléphones orange? Pourquoi t'as pas filmé les salauds, ceux qui nous veulent, ceux qui... Non, non. T'as préféré filmer ton absence d'histoire de cul avec Vera. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un mari bourré et d'une femme hystérique? Tu vois, Nathalie, elle m'a donné son t-shirt. Et Nathalie, pour moi, c'est sacré. J'ai pensé à elle tous les jours pendant ses 20 ans d'enfermement. Et le juge aux affaires terroristes, je l'emmerde. Il a beau me cuisiner, je ne lui ai jamais rien dit sur Nathalie. Il y a des salauds partout, là-bas, ici. Les élections, les réélections, les élections, il n'y a que ça qui vous intéresse. Et Blanche, ça ne l'intéressait pas. Alors bien sûr, ça vous fait bander. Vous rêvez tous de vous taper les lesbiennes, car dans vos petits fantasmes, c'est bien connu. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Tu veux que je te parle de Nathalie, des terroristes, des années 70? C'est ça? Eh bien, désolé, je n'ai pas envie de vous parler de Nathalie. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Nathalie? Nathalie n'a pas pu baiser. Elle a été enfermée pendant 30 ans et elle a eu une conditionnelle parce qu'elle a une tumeur au cerveau. Elles se sont vues une seule fois, Nathalie et Blanche. Une seule fois. Je l'avais dit à Blanche, je t'aime, mais rien ni personne ne me fera oublier Nathalie, même si pour elle, je suis moins que les animaux qu'elle élève dans sa bergerie, loin des bites des hommes. Mais je m'en fous. Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Il y a des gosses de riches qui sont riches et qui resteront riches quoi qu'ils fassent. Et les autres, j'avais tout prévu avec Blanche. C'était convenu. On vendait la maison. On s'achetait une petite camionnette et on faisait les marchés. Et elle, elle arrêtait ses conneries avec ses films, ses tableaux et toutes ses copines qui l'ont laissé tomber le jour où elle s'est séparée de la directrice du Festival International Lesbien. Sa famille a mis ses tableaux à la poubelle. Et ça, je ne leur pardonnerai jamais. Et sa copine, à Paris, à Blanche, je ne l'arrêterai pas. Et tous ceux qui maintenant considèrent que Blanche était une grande artiste depuis qu'elle est morte, eux aussi, je leur crache à la gueule. Tu ferais mieux de descendre et d'aller bouffer les nouilles. Ils ne me foutront pas à la porte. Ni le maire, ni la famille de Blanche, ni Frédéric qui a essayé de voler devant moi Blanche. Toi et ta clique, vous êtes déchaînés sur moi et Blanche. Elle, je me suis absenté une nuit, une seule nuit. Elle ne supportait pas que je me mette à picoler. Je suis allé chez Frédéric. Blanche voulait toujours coucher avec un autre et en même temps qu'avec moi. Elle disait que le désir ne peut exister à deux dans un reflet dans l'œil, mais bien en résonance avec un troisième œil. Et Frédéric n'est même pas venu à l'enterrement de Blanche. Il n'y a que ce salopard de mère qui est venu tout seul, tout miel, tout beau, tout propre, tout fringant sur lui pour dire des conneries et pour dire qu'il ne savait pas que Frédéric avait par deux fois essayé de la violer. Blanche, mais comme Frédéric sort de prison, bien sûr, pour les bien-pensants dans ton genre, son viol est une circonstance atténuante. Et Nathalie, elle est restée 20 ans en prison juste parce qu'elle n'avait pas voulu signer une déclaration publique, qu'elle reconnaissait qu'elle avait eu tort d'avoir tué ce salopard de général, alors que ce salopard de général avait tué par hasard dans la queue des clients qui venaient pour leur fric, pour leurs courses de la semaine. Ils ont tout fait pour protéger Blanche. Je l'ai deux fois de suite retiré des griffes des psys. Vous, vous serez toujours du côté des riches parce que les nouilles, vous en bouffez à chaque repas. Tu es comme le père de mon fils. Le père de mon fils a fait des pressions sur le juge antiterroriste pour qu'il me retire la garde de mon fils. Et lui aussi, comme toi, il bouffe des nouilles à tous les râteliers. Tu ne sais rien de moi. Et alors, quand je suis nu au matin, Blanche avait laissé un mot, juste un petit mot au pied de la corde qu'elle avait laissé autour de son cou. C'est vrai, j'ai laissé seule une Blanche nuit parce que j'avais bu et que je ne voulais pas qu'elle me frappe. Et Blanche avait juste écrit ce mot. C'est toi qui es responsable de ma mort. Situation 18. Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je suis le seul responsable. En ce sens, je refuse de lire, entendre tout propos et toute opinion qui concerne le peuple français, les imbéciles manipulés, la bêtise humaine, les dirigeants qui nous manipulent, nous le peuple. Et je refuse de dresser des listes de dirigeants, de responsables,
de crapules qui ont pour effet de m'extraire du monde. Il ne s'agit pas de journal Le Monde. Lui, ici c'est Bucarest. Le tournage de mon film à Bucarest, produit par le mari producteur de Vera, me plonge dans un tourbillon mêlant la garde de fer d'Antonescu, Ceausescu et son palais du peuple à jamais inachevé. L'opérateur Ivan, qui n'est pas russe, mais juif séfarade. La guerre, la révolution, la nuit, ma diatribe sur le terrasse du musée d'art moderne, de l'ex-palais du peuple inachevé à jamais, exige que toutes les villes soient rasées, car le terrain vague, la catacombe est pensée, avenir. Mouri, le peintre, habitait dans un squat de Bucarest qui me demande de balayer son atelier. Mon cri contre l'organisation, celle de la garde de fer alliée aux bolcheviques dans les années 20, par souci d'efficacité, contre le bâtiment de l'église orthodoxe qui a trahi les aspirations du peuple sacré, contre la synagogue qu'ils ont transformée en musée. Lui descend l'escalier. Situation 11, l'escalier. Les chiens du peintre d'Irkou qui ont le fébraire, lui en hurlant. L'ancien milicien qui lui dit que la Roumanie actuelle est un camp de concentration pargelé, géré par le protocole des sages de Sion. Les tziganes que Vera, la femme roumaine du producteur, lui dit de ne pas filmer. L'ouvrier qui filme à coups de marteau-piqueur. Une stèle devant la synagogue qui est un musée et non une synagogue. Le prêtre orthodoxe qui lui récite les protocoles des sages de Sion, les gitans rejetés et errant dans un décor proche des favelas de Mexico que le père de Ophélia voulait lui faire visiter avant qu'Ophélia lui dise qu'elle se crucifierait sur son propre tableau. La tour de l'usine de l'ex-centre de torture qui abrite l'usine Renault, symbole de l'acier totalitaire. Le souvenir du camp chez lui à Varsovia lors du coup d'état de Jaruzelski et militante de Cédar Danoche qui en fait était une émanation du PC communiste polonais afin de préserver l'indépendance de la Pologne face aux chasses russes immobilisées en 44 sur la rive droite de la Vistule. Les chiens errants en 44 en situation 72. Les Gouines, Adacho, les bobos au boulot. Elle, debout devant la porte d'entrée de la maison. Elle, vous êtes tous des animaux. Il a baisé la nuit avec moi et il est parti. Il a eu peur, peur de mon amour. Je vous ai tout donné et vous, vous prenez et vous ne donnez rien. Nous, les Roumains, c'est comme ça, nous sommes gentils. Et comme nous sommes gentils, nous sommes faibles et vous en profitez. Lui, slogan. Les Gouines Adacho, les bobos au boulot. Les Gouines Adacho, les bobos au boulot. Elle, de quel droit nous juges-tu? Lui, ils disent, tu entends? Ils disent, tu entends? J'entends, j'entends, j'entends. Les Gouines à bobo, les bobos au boulot. Les Gouines Adacho, les bobos au boulot. Elle, vous avez peur de tout, du succès, des femmes. Vous êtes des petits-enfants, des tout petits-enfants, incapables petits-enfants, qui avaient peur du noir, qui attendaient le réconfort de votre mère. Et qui... L'inspecteur, l'instituteur encadre des enfants et tous ils répètent les Gouines Adacho, les bobos au boulot, les Gouines Adacho, les bobos au boulot. Et puis ce n'est pas fini, derrière viennent les gendarmes, les journalistes et les organisations militaires. Ils marchent unis dans le même élan afin d'œuvrer pour le nettoyage de la pourriture qu'ils disent des assistés qui ne participent pas, comme ils disent, au revêtement de la nation. Lui, mes chers concitoyens, en vérité, je vous le dis, moi, votre mère, je vous le dis, cette porte pourrie, cette porte de l'assassinat, moi, en tant que maire, cette porte de l'assassinat qui est le cancer de notre société, moi, le maire de Beaumont, nous allons l'ouvrir. Lui, une arme, j'ai trouvé une arme. Je remercie l'ONU, l'Europe, le Vatican et le croissant critique. Il existe la déhistoire, représentation d'un objet en forme d'arme. Lui, martyr à ouf, martyr à ouf. Ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Lui prendit le dérisoire pistolet devant la porte fermée. Situation 15. Lui, et alors, lui, adresse aux contre-révolutionnaires. La mort est une invention du système capitaliste. Vos plaisirs immédiats sont le chemin de vos vies. Nous mourrons à l'heure de notre choix. Géraldine, Nolotchka, Laurence, Vera, Maria, Yvonne, vous êtes des contre-révolutionnaires, car vous préférez rester couché sur vos chaises longues transat. Vous préférez attendre le retour de Bastien. Vous préférez, comme Nolotchka, vous transformer en bombe humaine dans les territoires occupés de la Palestine. Vous préférez vous enfermer dans la culpabilité de vos pères. Yvonne, pourquoi ne réponds-tu jamais à mes lettres? Nolotchka, pourquoi t'es-tu renié?
Lui brandit dans la main droite un pistolet jaune jouet d'enfant. Lui tient dans la main gauche le couvercle d'une marmite en acier polonais. Lui, je ne rendrai pas la caméra au sale port de mon mari Vera. Lui continue à crier. Lui, face à la porte fermée, tenue en secret par le maire de Beaumont-sur-Oise. Les protagonistes nationaux bolcheviques ont forcé la porte. Je ne suis pas un dictateur. Le Lotchka, en se réfugiant dans le suicide de Blanche, s'est barricadé dans son chagrin et m'a interdit de l'aimer. C'est tellement plus simple de s'enfermer dans sa pauvreté et d'empêcher les autres de vous approcher. C'est tellement plus simple de se vautrer dans un transat en attendant l'arrivée de Brice. Vous êtes des dictateurs. Oui, pas pour. Je suis pas.